Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose vos messages spontanés des cartes à l'aide du tarot Radiant Wise Spirit Tarot et de l'oracle La Sagesse de l'Oracle. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Au nom de la Rose. Ce sont des messages spontanés des cartes que vous allez recevoir au moment où vous écoutez cette vidéo. Ce sont des messages intemporels, je vais faire une vidéo bien entendu pour chaque signe astrologique, comme d'habitude. C'est tout simplement une brève introduction pour vous expliquer la méthode du tirage pour les nouveaux abonnés. Aussi, j'ai un petit message à vous faire parvenir. Je vais mettre en ligne très prochainement un nouveau projet qui s'appelle Astro Tarot. Je vais mettre l'astrologie et la cartomancie en lien afin de découvrir ou de vous permettre d'avoir des pistes de réflexion concernant votre mission de vie et ce pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas donc à visionner les vidéos, à les partager grandement et puis à me dire aussi ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je vais maintenant commencer votre tirage. Les Gémeaux, signe solaire ou si vous avez votre ascendant Gémeaux ou votre lune en Gémeaux, bienvenue. Pour vos messages spontanés des cartes, c'est parti, ce sont des messages intemporels à découvrir au moment où vous écoutez cette vidéo. Et voilà. Alors, on va prendre les trois cartes. Nous avons la Reine de Denier, le Soleil, et ici nous avons le Magicien. Pas mal. Alors ici, il y a quelque chose de très stable dans votre vie au moment où vous écoutez cette vidéo. Alors soit vous êtes en train de vous occuper de votre vie professionnelle, de stabiliser votre vie professionnelle sur le long terme, ou bien vous vous mettez en sécurité par rapport à votre foyer, votre famille. En tout cas, vous êtes en train de prendre soin de quelque chose de très concret et de durable dans le temps. Ça nous parle ici d'union professionnelle ou d'union sentimentale, où vous clarifiez les choses, où pour vous, c'est très clair en effet, vous êtes dans le discernement par rapport à un nouveau commencement. On me dit que vous avez tout à disposition pour commencer, pour agir, entreprendre, afin de stabiliser une situation. On voit une union harmonieuse ici, alors ça peut être par rapport à un partenaire ou un partenariat professionnel, ou bien c'est en couple. C'est dans une relation. On continue. Oui, on me montre qu'il y a des grands changements. Avec la tour, ce sont des changements assez imprévisibles, assez soudains. Ça peut être un revirement de situation. Alors peut-être qu'il vous arrive quelque chose d'assez surprenant hein, au moment où vous écoutez cette vidéo. Enfin, ça peut être aussi sur quelques jours, hein, voilà, dans quelques jours ou dans quelques semaines. Hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui change. Vous allez devoir vous adapter à une situation imprévue. Alors pour moi, c'est assez positif. Hein. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous avez des prises de conscience, mais pas que. Il y a des événements aussi extérieurs qui vous permettent de comprendre certaines choses et d'aller de l'avant. Ouais. Alors, c'est au niveau émotionnel. Je pense que vous êtes en train de comprendre que dans votre vie, vous avez beaucoup de choses. Voilà, vous avez de la chance, vous avez beaucoup de choses et qu'émotionnellement, vous pouvez vous sentir satisfait. En effet, vous avez peut-être stabilisé votre vie professionnelle, vous avez peut-être stabilisé une union. On sent que vous avez tout en main, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser vos rêves ou vos désirs. Et vous prenez conscience de cela au niveau émotionnel que quelque part, bah peut-être que vous vous sentez vraiment très bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis au niveau de votre être, vous vous sentez satisfait aussi au niveau émotionnel. Vous êtes dans la gratitude hein, par rapport à ça. Ouais. Vous avez attendu longtemps certaines choses et actuellement vous êtes en train de récolter vos efforts. Peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans quelques semaines, dans quelques mois, on sent que vous avez fourni des efforts. Hein, par le passé pour stabiliser votre vie et enfin vous pouvez être soulagé et vous en prenez conscience en fait.
C'est comme si vous aviez réalisé plein de choses dans le passé, puis comme vous étiez dans l'action, bah vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous aviez construit, bâti. Et là, vous prenez conscience, là, maintenant, ici, à l'instant T, comme on dit, hein, que vous pouvez vous réjouir enfin. Vous avez attendu, espéré beaucoup de choses, et enfin, vous avez tout à disposition. C'est plutôt pas mal. Ouais. Avec le valet de bâton, on sent que vous désirez de nouvelles choses encore, et c'est possible, vous voyez? Alors, ce que vous désirez, c'est peut-être voyager, vous déplacer, vous voulez réaliser un rêve par rapport à ça. Peut-être que ce qui vous manque actuellement, et vous en prenez conscience, c'est un désir d'évasion. Il vous manque peut-être le fait de vous évader, le fait de voyager, de vous déplacer. Pour d'autres, ce sera un déménagement, peut-être que vous avez envie de changer de lieu de vie maintenant que vous vous sentez accompli dans votre travail. Peut-être que, en effet, vous avez envie d'ailleurs. Dans le sens où vous avez besoin d'évasion, de voyager, de vous déplacer, d'aller vers d'autres horizons, de connaître peut-être d'autres personnes, de profiter un peu de la vie. Ouais. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se modifie dans votre vie. Alors c'est vraiment par rapport à votre monde intérieur. Vous prenez conscience que vous avez de belles énergies ou vous ressentez de belles émotions à l'intérieur de vous, que quelque part vous avez mis tout en place pour cela. Et puis il y a un nouveau désir d'évasion, hein, comme si vous avez envie de. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être de vous accorder une pause, tout simplement, pour prendre soin de vous, pour vous reposer. Voilà, vous avez envie peut-être pour d'autres, ce sera de connaître une autre culture, voilà, grâce à des voyages, des déplacements. Enfin, je le sens comme ça. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour d'autres, ce sera changer de lieu de vie, d'environnement, en fait, hein. Pas forcément de changer de travail, c'est pas ça du tout, mais le fait de voir de nouveaux horizons, de découvrir des choses. Voilà. Et comme le Gémeaux est assez curieux de nature, dans le bon sens du terme, il aime bien apprendre plein de choses, il aime bien voyager. C'est le Gémeaux, il n'aime pas rester sur place non plus. Donc, il a peut-être, vous avez peut-être envie de vous évader. Le mot, c'est vraiment ça, c'est s'évader et vraiment de transformer quelque chose dans votre vie pour aller dans ce sens. Hein. On prend deux cartes, hein, ici et maintenant. Ouais. Donc là, vraiment, on nous parle de l'instant présent. Hein, c'est ce que je vous disais, que vous êtes en train de vivre les choses sur l'instant. Le fameux carpe diem. Vous n'êtes plus dans le passé. Voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire dans le passé et vous vivez peut-être au jour le jour ou dans l'instant présent. Et puis vos choix vont relever vraiment de vos envies, de vos désirs. Mais c'est pas quelque chose non plus qui vous tracasse, qui vous perturbe votre esprit quant à l'avenir. Et ici, on nous parle encore d'une union. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné d'une personne ou aidé d'une personne pour aller sur du long terme. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'une personne pour justement réaliser vos rêves. Voilà. Pour profiter de l'instant présent avec quelqu'un, maintenant que vous vous sentez accompli. Donc pour moi, ce tirage, il est hyper positif. C'est vivre sur l'instant présent, avoir quand même des petits projets, mais sans se prendre la tête. On n'est plus dans le passé. Et ce qu'on a envie, c'est vraiment de partager avec une personne des voyages, profiter de la vie. Voilà. Ou alors avoir des projets de changement de lieu de vie. C'est vraiment ça, en fait. Mais c'est pas quelque chose qui vous tracasse non plus. Voilà. Vous vivez au jour le jour. Et vous profitez, vous essayez de profiter de ce que vous avez entre les mains. En ce moment, voilà,
ici et maintenant. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous évader, de vraiment de profiter de la vie, et c'est ce que vous allez vous permettre, hein, de toute façon. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère avoir été clair par rapport à vos messages spontanés des cartes. Merci pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos, car j'en fais très régulièrement. À la fin de cette vidéo-ci, je vous mets en lien deux guidances si vous ne les avez toujours pas consultées, vos prévisions sur l'année 2023 et votre guidance du mois d'avril 2023. Merci pour votre écoute, votre fidélité, prenez bien soin de vous et on se retrouve un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Au revoir, bye bye!